Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu des saints. Merci parce que tu nous as mis à part. Merci parce que tu nous as appelés dans ta présence. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons que ce temps soit complètement dédié à toi. Viens parler à nos âmes, Seigneur. Viens libérer nos âmes de l'oppresseur. Viens t'asseoir au milieu des saints. Et à travers moi, Seigneur, parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et tous les saints disent Amen. 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 Acclamez encore l'Éternel. Alléluia. Let's clap for the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Acclamez l'Éternel. Let's clap for the Lord. Faites-le très bien. Acclamez l'Éternel. Amen. Acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Faites-le très bien, il est digne de nos acclamations. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Please be seated. Voilà, nous bénissons l'Éternel. We bless the Lord. Parce qu'il est là au milieu de nous. Because he's here among us. Nous savons que cette maladie a terrassé beaucoup de gens. We know that this disease put a lot of people down. Mais l'Éternel continue à nous protéger. But the Lord keeps blessing, protecting us. Cette maladie peut entrer dans des maisons des rois. This disease can enter the house of kings. Cette maladie n'a pas de respect pour les rois. This disease has no respect for kings. Cette maladie n'a pas de respect pour la Maison Blanche. This disease has no respect for the White Mais House. Cette maladie a des respects pour nos maisons. But this disease repents our houses. Oh, cette maladie a des respects pour nos maisons. This disease has respect for oh, our houses. Acclamez l'Éternel parce qu'il vous a protégé. Alléluia. He has protected us. Oh, Saint d'Israël, merci. Amen. C'est avant-hier, je parlais avec mon père. The other day I was speaking to my father. Il est pasteur en Angola. He's a pastor in Angola. Il m'a dit fils. He told me son. La grâce de Dieu dépasse toute maladie dans ce monde. The grace of God is above all diseases in this world. Lorsque vous avez la grâce de Dieu. When you have the grace of God. La maladie oublie votre adresse. That any disease forgets your address. Oh, la maladie a oublié vos adresses au nom de Jésus. The disease forgot your address in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Voilà, j'avais promis lorsque nous avions. J'avais promis, il y a un son retour qui n'est pas bon. J'avais promis lorsqu'il y avait un confinement. I promised during the confinement que nous allons faire une série de prières. That we're going to have a series of prayers. Et nous avions commencé à un certain moment à développer. We started at one point to develop l'analyse de l'oppression. The analyze of oppression. Et alors nous avions aussi développé un sous-thème. We also developed a subtitle qui est comment être immunisé contre les oppresseurs. Which is how to be immunized against oppressors. Mais à titre de rappel aujourd'hui, just to remind everybody today, avant d'entamer la session prière, before starting the prayer, je vais un peu vous mettre à la hauteur de l'oppression. I'm gonna go back to talk about oppression. Et après quoi nous allons prier. After that, we're gonna pray. Nous ne voulons pas avoir une église de gens qui viennent seulement écouter la parole mais qui ne prient pas. We don't want to have a church of people that only come to listen to the word but don't pray. Parce que le combat se passe dans le monde spirituel. The fight is in the spiritual world. Souvenez-vous, je vous avais dit que tout ce que nous voyons se développer dans ce monde est d'abord planté dans le monde spirituel. Remember, I told you that everything that we see in this world is coming from the spiritual world. Le monde physique ne fait que accepter ce que le monde spirituel a déjà programmé. The physical world is just accepting what is always already programmed in the spiritual world. Et le monde spirituel est pris
réel que le monde physique. The spiritual world is more real than the physical world. C'est pourquoi vous verrez les gens. That's why you will see people qui naturellement sont intelligents. That are naturally intelligent. Mais ne peuvent pas bénéficier dans le monde physique de leur intelligence. But they cannot benefit from the intelligence in the physical pourquoi? World. Parce que quelque part dans leur vie, why? Because somewhere in their life, il y a un blocage spirituel. There's a block, a spiritual blockage. Et nous allons bondage. En tout cas détruire cela au nom de Jésus. And we're gonna destroy that in the name of Jesus. Avant d'entrer dans les messages, before starting the message, le dimanche passé, nous avions reçu ici le pasteur Yvon qui dirige l'extension de Gainesville. Last Sunday, we welcome here Pastor Yvonne, that is the pastor of the church in Gainesville. Sa présence nous avait énormément béni. His presence, we were really blessed by his presence. Aujourd'hui, nous avons la présence de notre pasteur qui dirige l'extension de Charlotte en Caroline du Nord. Today, we have the pastor as the pastor of the church in Charlotte. Est-ce que le pasteur Michel peut se lever et nous allons acclamer l'Éternel? Can Pastor Michel stand on his feet and we're gonna clap for the Lord? Voilà. Lui, il dirige notre extension à Charlotte. Is the pastor of the extension in Charlotte. Et par la grâce de Dieu, Dieu lui bénit là-bas et l'église qui est à Charlotte. By the grace of God, is really blessed. He and the church in Charlotte are really blessed. Mais il n'est pas venu seul. But he didn't come by himself. Il est venu avec le centre principal de l'extension de Charlotte. He came with the principal singer of the church in Charlotte. Je vais demander au frère Daniel Umbala de se lever et nous allons acclamer l'Éternel. Brother Daniel to stand on his feet so we can acclaim the Lord. Voilà, nous aurons l'opportunité de lui découvrir. We'll have the chance to discover him. Il va chanter ici. He's gonna sing here. Lui aussi n'est pas venu seul. He did not come by himself. Il a amené la personne qui accompagne Michel Bakenda lorsqu'il est à Charlotte. He brought the person that plays with Michel Bakenda when it comes le to Charlotte. Le frère Ebenezer va se lever et nous allons acclamer l'Éternel. Our brother is going to stand on the seat. Alléluia. Amen. Soyez bénis, mes fils. Well, be welcome here. Et vous êtes chez vous. And you are here prière de vous at asseoir. Home. Please be seated. Amen. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, the theme that we're going to talk about today, c'est prière contre l'oppression. Prayer against oppression. La prière contre l'oppression. Prayer against oppression. Et pour cette prière, nous devons d'abord vous asseoir dans les aspects de l'oppression. For this prayer, you need to be grounded in the aspect of oppression. Et alors, comme nous avions déjà développé ce thème pendant le confinement, as we have already developed that theme during the confinement, je vais vite faire une récapitulation. Et après quoi nous allons prier. I'm going to recap really quickly and afterward we're going to pray. Nous avions donné deux définitions de l'oppression. We gave two definitions of the oppression. Être oppressé veut dire être soumis à une force plus puissante que vous. To be oppressed means to be under another force that more powerful than us. Lorsque vous êtes sous une force qui est plus puissante que vous. When you are under a force that's more powerful than c'est-à-dire you. C'est-à-dire une force qui est spirituelle que vous ne voyez pas. That means a force that a spiritual force that you do not see. Je vais vous faire un exemple pour que vous puissiez comprendre. I'm going to give you an example so you can understand. Si je suis ici, if I'm here, je combat avec contre quelqu'un que je ne vois pas. I'm fighting against someone that I do not see. Donc il y a quelqu'un ici. There's someone around me. Lui me voit. He can mais see moi me. J'ai l'incapacité de lui voir. But I'm not able to see him. On me dit de lui combattre. And I'm told to fight him. Est-ce que vous me comprenez? Can you understand? Do you understand? Parce que cette personne me voit. That person sees me. Cette personne peut me taper sur la tête. That person can hit me on cette my head. Cette personne peut me taper sur les pieds. That person can hit me on parce my que lui feet. Me voit.
Because they can see Mais me. Moi, parce que je ne lui vois pas. But because I don't see him. Si me tape sur la tête. If it hit me on my head. Et je sens que ça vient de ce côté. And if I see that it comes from me this side. Vers ce côté. I'm gonna turn on this Pour side. Moi aussi taper. So I can hit also. Mais lorsque moi je tape. But when I hit. Je ne vois personne. I do not see anyone. Et il peut passer de l'autre côté. He can go on to the other aussi side. De ce côté. And also hit me on this lorsque side. Lorsque je vais tourner de ce côté. When I turn on this side. Je tape. I hit. Il n'est plus là. He's not there anymore. Donc par défaut, il a déjà vaincu le combat. Therefore, he has already won the fight. Parce que lui peut me contrôler. Because he can control me. Est-ce que vous êtes là avec moi? Are you here with me? Mais heureusement pour nous les chrétiens. Luckily for us Christians. Nous avons quelqu'un qui combat avec nous qui voit dans l'invisible et l'invisible. We have someone that fight with us that can see in the visible and in the invisible. Son nom c'est le nom le plus cité dans le monde, c'est le nom de Jésus. His name is the name that's the most cited in this world. That's the name of Jesus Christ. Alors parce que lui vit en nous. Because he lives in us. Lui peut combattre ce combat. He can fight that fight. Est-ce que vous êtes là avec moi? Are you here with me? Alors si vous avez Jésus en vous. If you have Jesus in you. Cela ne vous exclut pas de l'oppression. That does not make you stay away from oppression. Parce que l'oppresseur n'a pas peur des gens. Because the oppressor is not afraid of anybody. L'oppresseur n'a pas peur de votre titre. The oppressor is not afraid of your title. L'oppresseur n'a pas peur de votre intelligence. The oppressor is not afraid of your intelligence. Parce que cet oppresseur est allé oppresser Jésus lui-même. Because that oppressor went and oppressed Jesus himself. Il a oppressé les gens qui étaient auprès de Jésus. He oppressed the people around Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Il faut faire attention lorsque vous êtes oppressé. You need to be careful when you are oppressed. Si vous êtes un enfant de Dieu. If you are a child of faites God. Faites très attention. Be very careful. Parce que l'acte que vous allez poser après l'oppression. Because what you're going to do after the oppression. Va déterminer votre relation avec Christ. Is going to determine your relationship with Christ. Nous avions subi des trahisons lorsque Jésus était vivant. We went through two betrayals when Jesus Christ was alive. La première trahison, the first betrayal, c'est la trahison de Pierre. Was the betrayal of Peter. Pierre a nié Jésus à trois reprises. Peter denied Jesus Christ three times. L'autre trahison, the other betrayal, c'est la trahison de Judas. Is the betrayal of Judas. Judas a trahi Jésus. Judas auprès de souverains sacrificataires. Jesus. Mais la réaction de ces deux personnes a déterminé leur survie. Determine what happened later. Pierre a trahi. Peter betrayed. Il s'est repenti. He repents. Il a dit au Seigneur, pardonne-moi. Il a commencé à pleurer. He told the Lord, please forgive me, and he started Mais Judas, crying. Lorsqu'il a trahi, but Judah, when he betrayed, l'oppresseur qui était en lui, the oppressor that was inside of lui him, a vite soufflé. He told him, va, go, suicide-toi, and kill yourself. Est-ce que vous êtes là avec moi? Are you here with me? Il y a des gens à qui l'oppressé parle constamment dans leurs oreilles. There are people to whom the oppressor talks to all the time. Il leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. And he tells them what to do. Et alors vous, en tant que chrétien, you as Christian, chrétien de la Nouvelle Alliance, Christian of New vous Alliance, devez savoir vous comporter lorsque vous êtes oppressé. You need to know how to behave when you are oppressed. Parce que l'oppression viendra. Because oppression will come. Et nous avions développé 10 sortes d'oppression. And we developed 10 kinds of oppression. Aujourd'hui, nous allons prier sur la première oppression. Today we're gonna pray on the first oppression. Je répète. I'm repeating. Nul n'est exempté de l'oppression. Nobody is away from oppression. Si lorsque nous allons commencer à prier, vous croyez que vous êtes exempté, tant pis, coup de chapeau. When we start praying, if you think that you are not part of it, that's your problem. Mais si vous savez que vous aussi vous êtes humain et vous pouvez être oppressé. But if you know that you also are human and you can be oppressed. Prenez ce temps, ne regardez pas votre femme, ne regardez pas votre mari, priez pour vous-même. Take this time very seriously. Don't look at your wife, don't look at your husband, pray for yourself. Donc, vous êtes oppressé lorsque notre force est plus puissante que votre esprit et vous commande. You are oppressed when a force that's more powerful than your spirit is guiding you. C'est-à-dire que vous êtes accablé. That means
Il y a quelqu'un qui s'assoit sur vous, sur votre esprit. Someone is sitting on your spirit. Oppresser veut dire exercer cruellement des pouvoirs sur une personne. Being to oppress means exercer cruellement, c'est-à-dire avec force, avec mauvaise intention, avec instinct de destruction. Okay, is to exert, to cruelly exert a power over someone else. Et deuxième définition, nous avions dit que lorsque vous êtes oppressé, vous êtes torturé au fait. When you are oppressed, you are tortured. Et alors nous avions aussi dit que 90% des chrétiens. And we also said that 90% of Christians sont constamment oppressés. Are constantly oppressed. Parce que les chrétiens que nous sommes. Because the Christians that we are. Surtout que nous sommes ici aux États-Unis. Most of all, we are here in the United States. Le diable est tellement organisé que. The devil is so organized. Il nous amène dans un pays bien développé. That he brings us in a developed country. Il nous présente chaque jour ce qu'il faut faire. And he shows us. Every day he shows us what to do. Les chrétiens sont oppressés même par la télévision. Christian can be oppressed by the TV. L'esprit mauvais lui dit va t'asseoir sur la télé pendant 3 heures du temps. Regarde le théâtre de chez nous. The wicked spirit tells him go and sit in front of the TV for 3 hours just watching movies. L'oppressé lui dit va sur écran et regarde le pasteur Moïse Mbi et ainsi de suite. The oppressor tells him go on the screen and just watch Pastor Moïse Mbi. Avec ce qui se passe avec lui. With everything that's going on with him. The oppressor comes and tells you. Lorsque vous avez votre téléphone. When you are you have your phone. Vous savez c'est tellement organisé que si vous ne prêtez pas attention, il va prendre 99% de votre temps sans que vous le sachiez. You know, Satan is so organized that if you are not careful, he will steal 99% of your time vous without your knowing maison, it. Vous êtes à la maison, je suis à la maison avec mes enfants, mes 4 enfants et ma femme. I'm at home with my 4 children and my wife. C'est le temps de manger. It's the time to eat. Mais je regarde mes enfants, je les contemple sur leur téléphone. Ils mangent avec leur téléphone. I watch my children. They have their phone while they're eating. Je vous acquise mes enfants. Hein? Vous savez maintenant que papa n'aime pas ça. I'm accusing you, my kids. You know that daddy does not like it. Et même lorsque vous avez le temps pour prier, l'oppressé vient, il vous dit, il faut regarder papa Wemba. Even when you're trying to pray, the oppressor come and tell you, go and watch Papa Wemba. Et si vous ne prêtez pas attention, and if you are not careful, les 24 heures que vous avez pendant les jours, those 24 hours that you have during the day, vous allez consacrer à l'ennemi qui est votre oppresseur 21 heures de temps de votre vie. You're gonna give your enemy 21 hours of your day. Parce que au fait, vous qui travaillez des boulots, vous ne dormez que 3 heures du temps. Because the people that work 2 jobs only sleep 3 hours. Alors les autres temps, the other time, c'est l'ennemi qui vous guide. The enemy is the one guiding you. Maintenant il faut faire ceci. Now do this. Maintenant il faut faire cela. Now do that. Maintenant il faut faire ceci. Now do this. Maintenant il faut faire cela. Now do that. Et vous n'avez pas le temps pour Jésus. And you have no time for Jesus. Lorsque cela arrive, when that comes, sachez qu'il y a un esprit qui est au-dessus de votre esprit. You need to know that there's a spirit above your spirit. Et cet esprit est là. And that spirit is here. Sachez que bien aimé, vous êtes oppressé. You need to know, beloved in the Lord, that you are oppressed. We're gonna cast that nous away allons today. Faire ça aujourd'hui. We're gonna cast that away en tant today. Que chrétien, nous ne pouvons pas être commandés par un autre esprit que l'esprit de Dieu. Being Christian, we cannot be commanded by another spirit. Est-ce que quelqu'un est là that's avec not moi? The spirit of God. Hallelujah. Amen. Alors, l'oppression est une chose terrible. The oppression is something terrible. C'est une sorte de pouvoir où vous sentez rien, zéro. It's a kind of power that you do not see or feel. Alors, l'oppression est d'habitude le premier point que l'ennemi utilise pour vous attaquer. The oppression is most of the time the first thing that the enemy uses to et attack you. Remarqué, parce que beaucoup de gens ici aux États-Unis ne connaissent pas ça. La plupart des cas que les gens reçoivent dans les hôpitaux, ce sont les cas d'oppression. You're gonna notice here people don't really know that. So the first case that
go to hospital, the first people that go to hospital are people that are oppressed. L'oppression n'est pas seulement expérimentée physiquement. The oppression is not only experimented physically. Non pas seulement psychologiquement. Not only psychologically. Non pas seulement financièrement. Not only financially. Non pas seulement matériellement. Not only materially. Non pas seulement académiquement. Not only academically. Mais la plus grave des oppressions, c'est l'oppression spirituelle. But the greatest oppression is the spiritual oppression. Hallelujah. Amen. Il y a des gens qui sont intelligents. Some people are very smart. Mais qui ne peuvent jamais finir l'école. But they can never finish their studies. Ils peuvent commencer une chose. They can start something. Ils n'aboutissent pas. But they don't finish it. Ces gens-là sont académiquement oppressés. Those people are academically oppressed. Il y a des gens qui sont mariés. Some people are married. Mais qui ne prennent pas soin de leur famille. But they do not take care of their family. Ces gens-là sont conjugalement oppressés. Those people are maritally oppressed. Il y a des gens qui travaillent beaucoup. Some people work a lot. Mais ne peuvent pas bénéficier de leur argent. But they cannot benefit from their money. Ces gens-là sont financièrement oppressés. Those people are financially oppressed. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Il y a des gens qui étaient bien. Some people were really good. Qui marchaient très bien. They used to work well. Mais l'ennemi Satan est venu et il a planté une maladie dans leur vie. But Satan, the enemy, came and sow a disease in their life. Cette maladie-là va se manifester dans 6 mois. That disease is going to manifest in 6 months. Aujourd'hui, nous allons déraciner ça au nom. Today we're gonna uproot that in la the name Bible of Jesus. Nous dit dans Matthieu chapitre 15 verset 13. The Bible tells us in Matthew chapter 15 verse 13. Jésus leur répondit. Jesus answered toute to them. Toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Any plant that my father did not plant, be uprooted. Oh, je toute maladie plantée dans votre vie sera déracinée aujourd'hui au nom de Jésus. Any disease planted in your life will tout be uprooted. Tout malfonctionnement que l'ennemi Satan a planté dans votre vie. Any malfunction that Satan planted in your life par la prière will be uprooted by prayer. Est-ce today. Est-ce que quelqu'un est là avec is moi? Is someone here with me? Lorsque vous êtes oppressé, when you are oppressed, vous êtes sous un état de servitude. You are under a state of servitude. Et une servitude constante. And a constant servitude. Vous allez voir une très belle fille. You're gonna see a very beautiful une girl. Une très belle fille. A very beautiful mariée. Girl. Married. Mais le mariage au fait. But the marriage était un mariage arrangé par Satan pour oppresser la vie de cette fille. Was an arranged marriage by Satan to oppress cette the life of that girl. Cette fille va se marier à un zombie. That girl is gonna marry a zombie. Qui va torturer toute sa vie. That's gonna torture her life. Et si elle ne prête pas attention, if she does not pay attention, sa vie sera gaspillée comme ça. Her life will be wasted. Fille et femme que vous êtes là. Girl and woman that vous qui are here, êtes ici avec moi, you that are here dites with avec me, moi, ma vie ne sera pas oppressée. Stay with me, my life will not répétez be oppressed. Très bien, ma vie ne sera pas oppressée. My life will not be oppressed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Oh, dites-le très bien, ma vie ne sera pas say oppressée. Say very well, my life will not be oppressed. Il y a des hommes bien-aimés dans le Seigneur. They are men, qui peuvent vous voir que leurs femmes ont des capacités intellectuelles mieux que eux. They can see that their wives are intellectually more capable than them. Mais qui disent à leur femme, but they tell the wife, tu peux rester à la maison, tu es une femme de la maison. You can stay at home, you are stay home. Oui, now. Il faut répondre, je suis une femme de la maison, je suis aussi une femme de l'éducation. Tell them I'm a stay home mom, but hallelujah, I'm also l'aider educated. À la fois. Cela est possible. Nos that's femmes possible. De la nouvelle alliance, ne women restez pas les femmes de la alliance. Maison. Don't be stay home mom. Dites avec moi, je ne resterai pas une femme de la maison. Stay with me, I will not be a stay home mom. Fais tes enfants. You can have your children. Moi, j'avais dit à ma femme. I told my wife. Tu ne seras pas oppressée. You will not be oppressed. Tu vas faire tes 4 enfants. You're gonna have your 4 kids. 10 ans, elle est restée à la maison. 10 years, she was home. Assieds-toi là. Je vais here. Tout payer. I'm gonna pay for everything. Et lorsque tu vas finir à faire les enfants, when you finish having your kids, retourne à l'école. Go back to school. Retourne à l'école. Go back to school. Et c'est ce qu'elle a fait. And that's what she did. Et bientôt elle va finir son école. And very soon she's gonna elle va finish. Finir l'université. She's gonna finish. Quelle joie! Amen. 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 Hallelujah. Amen. Réveillez-vous les femmes. Wake up, woman. Faites quelque chose pour vous. Do something for yourself. Vous ne pouvez pas vous retrouver là où les autres femmes parlent. Vous êtes complexé à cause des gros mots qu'ils sortent. You can't be somewhere where other people, other women are talking, and you can't be at ease because of
the big word they say. Il y a des gens qui sont oppressés comme ça et qui ne savent pas qu'ils sont oppressés. Some people are oppressed that way and they do not know it. Lorsqu'on lui met dans un milieu, when they put them somewhere, cette personne devient incapable de parler. That person becomes. Mais toi tu parles beaucoup, parle encore ici. That person can't talk. She's someone that always talks. So go ahead and talk. Mon petit bouche cousue. Pourquoi? Why? Dans sa vie, cette personne a été oppressée. She was oppressed in her life. Alléluia. Amen. L'oppression, la Bible dit, the oppression rend les sages fous. Makes wise people foolish. Nous allons lire Psaume 42, 10. We're going to read Psaume 42, verse 10. Vous sachez que l'oppression ne vient pas de Dieu. And you need to know that oppression does not come from God. It comes from Satan, the enemy. Psaume 42, 10 dit ceci. J'ai dit à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, I want to tell someone today, ne gémissez pas. Ne gémissez pas. Ne soyez pas dans une tristesse profonde. Do not be in a very deep sadness. Car Dieu a un temps fixé pour votre salut. Because God has a time for your salvation. Dieu a un temps fixé pour votre salut, je répète. God has a time for your salvation. Dieu a un temps fixé pour votre salut. God has an appointed time for your salvation. Dieu a un temps fixé pour votre salut. God has an appointed time for your salvation. Dieu a un temps fixé pour votre délivrance. God has an appointed time for your deliverance. Et cette délivrance vient aujourd'hui. And that deliverance is coming today. Ésaïe 54, 14 à 15. Isaiah 54, 14 to 15. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Les complots vont se former contre vous, cela ne viendra pas de l'Éternel. Mais écoutez ceci, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Anybody that will rise against you will fall under your power. Heureusement que nous avons un pouvoir. You need to know that we have a power. Ce pouvoir vient de Jésus. That power comes from Jesus. Et c'est ce pouvoir-là que nous allons utiliser. And that's what we're gonna use today. Ce pouvoir est une arme. That power is a weapon. Cette arme-là, c'est ce que nous allons utiliser aujourd'hui. That weapon is what we're gonna use today. Écoutez ce que le verset 17 dit. And listen to what the verse 17 says. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Any weapon formed against you will be no effect. Et qui s'élèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. Amen, amen. Levez-vous, nous allons condamner aujourd'hui tout ce qui s'élève contre nous. Amen. Olobo shekenderi abosete. Bien aimé, prenez ce temps au sérieux. I've taken this time seriously. Prenez ce temps au sérieux. Take this time seriously. Ecclésiastes 7 dit ceci, l'oppression rend les sages fous. Ecclésiastes 7:7. Ecclesiastic chapter 7 verse 17. L'oppression rend les sages fous. Oppression makes the wise foolish. Je vais lire Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38. The pastor is going to read Acts chapter 10 verse 38. Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. En d'autres termes, sous une force plus grande qu'eux, car Dieu était avec lui. Et nous pouvons voir dans ces versets que nous avons une puissance que nous allons utiliser aujourd'hui. We can see in Acts of Apostle 10 verse 38 that there's a power that we're going to use today. Cette puissance vient du Saint-Esprit. That power comes from the Holy Spirit. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Marc chapitre 16. Mark chapter 16. 18e au 19e verset dit ceci. Verse 18 to 19. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
These are the miracles that will accompany those that will believe. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. These are the miracles that will go with the people that will that have believed. À mon nom. In my name. C'est-à-dire au nom de Jésus. That means in the name of Jesus. Ils chasseront les esprits they mauvais. They will cast out bad spirits. Quel est le domaine de votre vie qui est aujourd'hui occupé par l'ennemi Satan? What area of your life is today taken over by Satan, the enemy? Nous allons prier pour ça aujourd'hui. We're gonna pray for that today. Je veux à ce que vous soyez vous concentrer maintenant dans la prière. I want everybody to be focused in prayer now. Concentrez-vous dans la prière. Be focused. Fermez vos yeux. Close your eyes. Et concentrez-vous. And be focused. Parce que Dieu veut délivrer quelqu'un aujourd'hui. Because God wants to deliver someone today. Répétez après moi. Repeat after me. Seigneur. Lord. Seigneur. Lord. Seigneur. Lord. Je chasse l'oppressé. I'm casting out loin the oppressor. Far from au my house. De Jésus. In the name of Jesus. Je chasse l'oppressé. I'm chasing away. De mon corps. Away from my body. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je déracine dans ma vie toute maladie. Any disease that the enemy places in my body. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Priez maintenant pour déraciner toute maladie de vos corps. Au nom de Jésus. Sondo lobo sekenderi abosete. Seigneur, je viens déraciner les maladies de mon corps. Tout ce que l'ennemi Satan a planté dans mon corps, qui n'était pas destiné, Seigneur, dans ma vie, qui était sourd, Seigneur, l'ennemi, la prise de Satan, qui m'a déposé dans mon corps, je n'ai rien fait ça. J'ai dit ça. Fatin de Nézaride, au nom de Jésus. Cela n'a pas été implanté par mon père. Cela n'a pas été implanté par mon père. Cela n'a pas été implanté par mon père. Oh non, le bon second est à vos sept. Eh, le bon second est à vos sept. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Yahweh, 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 Yahweh.
ce que la parole de Dieu nous dit. God says, si vous êtes malade, if you are sick, prenez votre main droite, take your right hand, mettez sur votre cœur, place it on your heart. Ma main est une seule main, mais elle peut vous toucher là où vous êtes. My hand is only one hand; it cannot touch you. La Bible dit ceci. The Bible says. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. These are the miracles that will come with those that believe in my name. Ils imposeront les mains aux malades. They will impose their hands. Et les malades seront guéris. And those will be healed. C'est pas moi qui l'ai dit. I'm not the one saying it. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. That's the word of God. Seigneur mon Dieu. Lord. Maintenant. Now. J'impose ma main sur tous ceux qui sont malades ici. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es fidèle à ta parole. Lord, because you are faithful to your word. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. You said in Matthew 15:13. Toute plante que mon père n'a pas planté, any plant that my father did not plant, will be uprooted. Mon Dieu, my Lord, maintenant, now, je viens déraciner les vies des enfants de la nouvelle alliance. I'm coming to uproot in the life of the children of the new conjugal, the oppression, marital oppression. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, je viens déraciner. I'm coming to uproot l'oppression corporelle. Oppression. Au nom de Jésus, je viens déraciner l'oppression physique. Physical oppression. Au nom de Jésus, je viens déraciner l'oppression émotionnelle. Emotional oppression. Au nom de Jésus, je viens déraciner l'oppression intellectuelle. Intellectual. Au nom de Jésus, je viens déraciner l'oppression des rêves. Oppression. Au nom de Jésus. Alors Seigneur, prends ta place. Lord, take your place. Prends ta place dans nos âmes. Take your place in our soul. Et règne dans nos âmes. Reign in our soul. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié. We so pray. Et tous les saints disent Amen. All the saints say Amen. Acclamez l'Éternel. Amen. Le Dieu de la délivrance. Amen. Acclamez-le. Amen. Oh, ce que Dieu a vous cité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, le temps est arrivé. The time has come. Nous avons 30 minutes avant la fin du culte. We have 30 more minutes. Nous allons maintenant découvrir le chanteur Daniel Lumbala. We're gonna discover. Il va nous animer pendant ce temps. Our brother that's gonna play for us. Nous allons donner à l'Éternel. And we're gonna give to the Lord. En tout cas, éliminer les bruits. Nous voulons vraiment louer l'Éternel. We're gonna praise the Lord. Amen. Amen. Je vais donc déjà prier pour vos offrandes. I'm gonna pray for the offerings. C'est un groupe de musiciens. Je crois que nous allons normalement ils devaient venir au mois de novembre où nous allions normalement fêter notre cinquième anniversaire. Normally they were supposed to come in November during our fifth anniversary. À cause de coronavirus, because nous avons of repoussé the virus, ça. Donc l'église de Gainesville va nous joindre, Charlotte aussi va nous joindre. Mais aujourd'hui, quand vous venez donner et après à la fin, nous allons aussi les bénir parce qu'ils vont retourner à Charlotte. Come and give your offering at the end of the service. We also gonna bless them because they're going back to Charlotte. Donc prépare aussi quelque chose pour les bénir. Prepare something to bless them. Ah, c'est comme si vous bénissez votre propre église parce que c'est l'extension de cette église. It's as if you are blessing your own church because it's the extension in Charlotte. Amen. Amen. Voilà. Alors, je vais prier pour les offrandes. I'm gonna pray for the offering. Ice water.